Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve-nous. Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au labour le paradis. Tu as changé en joie le deuil de sainte femme. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Comment je ne gardais pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérées. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse,
sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, amen. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 74. Voici venir des lointains le nom du Seigneur et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir des lointains le nom du Seigneur et l'éclat de sa gloire remplit À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai ma droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé, moi, ces colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en réduisant les chines. C'est les plus au levant et au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la lue, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour les yeux. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour des siècles, amen. Psaume 75. En Judas, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Les braves ont dormi le sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous la menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi, toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te sens pas des
et de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ce qui l'entoure, faites offrandes terribles. Il est là le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, amen. Voici venir de lointain le nom du Seigneur et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles. Qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix des guetteurs élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur est venu son bras de sainteté, sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, l'émerveillement. Avec le venu du Fils sur la terre, tout commence par un chant de louange annonçant du haut des cieux une bonne nouvelle et une grande joie. Ô réjouis-toi de l'Annonciation, répond en effet le Gloria de la Nativité, anticipant déjà la joyeuse proclamation de la résurrection. C'est que la création tout entière est comme un libre prolongement de la génération éternelle du Fils qui reste comme cachée en elle, écrit Jean Danielou. Tout aurait pu conduire le Christ à gémir sur la dureté des temps. L'indifférence des siens, le refus de beaucoup, les épreuves partout accumulées. N'était-ce pas le règne de l'occupation, l'époque de l'esclavage, le maintien en place de tout un monde d'exactions. Que de soucis, que de soupirs, que d'espoirs partout alentour. Or, quelle est l'attitude de Jésus? Je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Suit alors ce regard d'émerveillement que nous ne pouvons plus oublier sur l'abandon des oiseaux du ciel à la providence et la splendeur des lys des champs revêtus de magnificence. Nous perdons si souvent la joie, la paix, quand ce n'est pas l'espérance et la foi, à trop nous arrêter au souci des choses immédiates et matérielles, quand demeure toujours la grâce de pouvoir chercher en tout d'abord le royaume et sa justice. Et Jésus conclut par cet appel à la sérénité qui laisse la porte ouverte à l'émerveillement quotidien, même au creux des tracas de l'existence. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La création était belle, on pouvait s'en émerveiller. La recréation par le Sauveur est plus merveilleuse encore.
La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur et ses merveilles à nos yeux. On peut désormais louer le Père avec les paroles du Christ et célébrer l'œuvre rédemptrice du Fils dans la grâce de l'Esprit. À la pensée de Jésus, écrit le pape Paul VI, la tête nous tourne d'émerveillement et de bonheur. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël partirent de la ville de Ramsès en direction de Soukhot, au nombre d'environ 600 000, sans compter les enfants. Une multitude disparate les accompagnait, ainsi qu'un immense troupeau de moutons et de bœufs. Ils firent cuire des galettes sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qu'ils n'avaient pas levée. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans avoir eu le temps de faire des provisions. Le séjour des fils d'Israël en Égypte avait duré 430 ans. Et c'est au bout de 430 ans, c'est en ce jour même, que toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël. Ce doit être pour eux, de génération en génération, une nuit de veille en l'honneur du Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nous entendons beaucoup parler ces jours-ci
de différents types de vigilance. Par rapport à la météo, de vigilance orange, ou encore de vigilance renforcée ou maximale en lien avec la sécurité et la protection de ce pays. Or, la lecture de ce jour parle aussi d'une vigilance, ou plus exactement d'une nuit de veille, la nuit de veille, où Dieu a veillé pour l'homme. Voici la nuit où tu as tiré de l'Égypte nos pères, les enfants d'Israël, et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec. Nuit où le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. C'est ainsi que nous, chrétiens, nous acclamons la Pâque du Seigneur lors de l'Exultet au cours d'une autre veillée, celle des vigiles pascales. Son passage, quand il fit sortir son peuple d'Égypte, mais aussi celui de son incarnation, sa passion et sa résurrection. Oui, nous exaltons la nuit, cette nuit unique, nuit de garde, Leil Shimurim. Nuit qui donne toute la place à l'attente de la lumière. C'est la nuit qui est continue, c'est la nuit qui est le tissu du temps, la réserve d'être. Ô nuit, ma plus belle invention, ma création auguste entre toutes, créature de la plus grande espérance, dit le poète en faisant parler Dieu. Toutes les grandes œuvres divines se sont passées au cœur d'une nuit. Nuit de la création, nuit du sacrifice d'Isaac, nuit de la Pâque et nuit de la fin des temps, comme nous le suggère un poème de la tradition juive. Et pourquoi devrait-on veiller alors? Parce que Dieu le fait. Dans le livre de la Genèse, on explique le repos de l'homme, le Shabbat, par le repos de Dieu. Et ici, de même, la veille liturgique de la Pâque, du mémorial, est expliquée par une action divine. Le Seigneur a veillé, vous faites de même. Ce doit être pour tous une nuit de veille en l'honneur du Seigneur. Ici, à Saint-Gervais, chaque jeudi soir, une nuit d'adoration, de veille nous est proposée, où les portes de l'église restent ouvertes toute la nuit. Nous la vivons en prolongement de l'Eucharistie, en sa présence et en mémoire de ce jeudi où, quelque part dans le jardin des Oliviers, le Christ, lumière véritable, s'est laissé lier par les ténèbres, où il a choisi librement d'assumer tout péché et de passer par la mort pour nous libérer de toute pesanteur. Au cœur d'une nuit, et il demanda à ses disciples de faire comme lui, « Restez ici et veillez avec moi. » Mais cette veille de chaque jeudi soir s'enracine pour nous aussi dans le récit que nous venons de lire. Si nous, nous croyons que nous avons déjà vu quelque chose du visage du Sauveur, notre Pâque et notre salut, c'est ensemble, juifs et chrétiens, que nous partageons l'attente du jour qui n'aura plus de nuit, scrutant l'écriture et les richesses de la tradition, dans l'espérance de la venue de l'époux à la fin des temps. Au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Voici l'époux qui vient, venez à sa rencontre. Qui se laisse convier par cette invitation à veiller à la suite du veilleur suprême, se sait relié aux origines de la foi. Car cette veille nous dit d'où nous venons, qui nous sommes aux yeux de Dieu, des enfants bien-aimés tirés des eaux de la mort, sauvés, et aussi où nous allons. Veiller, attendre quelqu'un sur les quais de la gare, par exemple, peut être très coûteux, certes, mais donner du temps à un autre ou tout autre, n'est-ce pas ce que nous avons à donner de plus précieux? Qu'y a-t-il en effet de plus précieux, de plus cher, que de donner, d'offrir gratuitement un peu de notre temps, dont nous nous croyons si souvent les propriétaires et les maîtres? Peut-être, en ce temps de vacances, littéralement de disponibilité, de vide, d'inoccupation,
nous pouvons choisir chaque jour de donner un peu de ce temps gratuit pour ne faire rien d'autre que d'attendre celui qui vient. Veillez. Au poste de veille, Seigneur, je me tiens tout le jour. À mon poste de garde, je reste debout toute la nuit. Apprends-nous à la traiter en un temps d'en fidèle. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour l'habileté et le savoir-faire des hommes. Daigne confirmer l'ouvrage de nos mains. Ce temps de vacances et de repos que tu nous donnes, qu'il soit l'occasion de te rencontrer dans le silence et la prière. Béni le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Dieu saint, sa force prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint,
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, con San Federico osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons reconnus.